là, je perds mes cheveux. J'ai comme une plaque où il manque des cheveux. Est-ce que ce serait une pelade? Bonjour, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler de la pelade. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son évolution naturelle? Et comme d'habitude, comment se soigner? La pelade, c'est une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que les défenses du corps, c'est-à-dire le système immunitaire, a décidé de s'attaquer au corps lui-même. Il s'est un peu trompé de cible. Dans le cas de la pelade, les globules blancs s'attaquent aux racines des cheveux ou des poils, le plus souvent sur une ou plusieurs petites zones localisées. Ça forme comme des pastilles où les poils ou les cheveux tombent. C'est une alopécie qu'on dit non cicatricielle, parce que les racines des follicules ne sont pas définitivement détruites. Elles peuvent repousser. Les localisations les plus fréquentes de la pelade sont le cuir chevelu et la barbe, mais n'importe quel endroit du corps peut être concerné. Même les ongles peuvent être atteints. Il est plus rare mais possible que la pelade concerne l'ensemble des poils du corps. On appelle ça une pelade universelle. La pelade peut survenir à tout âge, même chez les enfants. Et ça concerne autant les hommes que les femmes. On considère que la pelade concerne 2% des gens au cours de leur vie, donc c'est un problème de peau assez fréquent. Les facteurs de risque, c'est d'abord la génétique. Si vos parents ont eu de la pelade, il y a plus de chances que vous en ayez aussi. Et les antécédents de maladies auto-immunes, comme les thyroïdites ou le vitiligo. Un stress intense peut être un facteur déclenchant d'une poussée de pelade dans les mois suivants. Naturellement, même en l'absence de traitement, la plupart des pelades repoussent spontanément dans les 6 mois. Environ 60% des pelades qui concernent moins de 40% du cuir chevelu repoussent spontanément. Plus les plaques sont petites, plus il y a de bonnes chances de repousse. La zone la plus récalcitrante pour le cuir chevelu est l'arrière de la tête, au niveau de l'occiput. On parle de pelade ophiasique. Parfois, lorsque les poils ou les cheveux repoussent, ils sont blancs. Ça fait comme une mèche blanche. Ou bien la pelade peut également épargner les cheveux ou les poils qui sont déjà blancs. Parce qu'ils ne présentent pas les mêmes antigènes que les autres, par leur absence de mélanine. Pour favoriser la repousse, plusieurs traitements sont possibles. Comme le but est de bloquer l'action des globules blancs sur les follicules pileux, les médicaments recommandés en première intention sont à base de cortisone. On a déjà parlé des produits à base de cortisone dans les vidéos sur l'eczéma, je vous conseille de la regarder ici. La cortisone peut être sous forme de crème, de gel, de lotion ou en injection locale. Il est plus rare mais possible d'utiliser de la cortisone par voie orale ou en injection intraveineuse. Dans le cas de pelade très étendue, il faut peser le bénéfice-risque de ces traitements. De la même façon, des médicaments immunosuppresseurs plus forts sont également possibles. C'est à discuter avec votre dermatologue, le plus souvent ça nécessitera une prise en charge hospitalière dans ce cas. Actuellement, des thérapies ciblées sont à l'essai, de type anti-JAK, pour ceux qui s'intéressent à la recherche clinique. Parfois, les traitements ne suffisent pas à enrayer l'évolution de la pelade, et les zones sans cheveux restent étendues. Dans ce cas-là, le port d'une prothèse capillaire permet de retrouver une meilleure qualité de vie. Il existe une prise en charge par la sécurité sociale dans ce cas. Pour les pelades des cils, des faux cils sont possibles une fois que la pelade est stabilisée, ou bien une dermopigmentation, comme pour les sourcils. La pelade est un problème bénin mais qui retentit beaucoup sur la qualité de vie, par le côté esthétique majeur des cheveux dans notre société. Il y a souvent une grande souffrance psychologique chez les patients atteints d'une pelade étendue, surtout les femmes et dans la phase de progression de la pelade. Il existe sur des réseaux sociaux des associations de patients ou des groupes qui permettent de discuter avec les personnes qui partagent les mêmes problèmes. Si vous gérez une association ou un groupe de patients, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Instagram Dermatodré pour que je relaye votre lien aux personnes intéressées. En attendant, je vous retrouve tous les dimanches à 19h pour une nouvelle vidéo Dermatodré. À bientôt !